Princess Peach, showtime, le jeu complet. Mais Cerisier, c'est... Morgane. Et... Rosalys. Sur la chaîne... Rosalys Gaming. Allons-y. On a vécu toute une aventure pour réussir à obtenir ce jeu le week-end de sa sortie. Mais c'est fou ça, t'avais précommandé, je t'avais dit Morgane, on pourra l'avoir dès sa sortie. Morgane nous dit ouais, et après il regarde, état de votre commande, vous l'aurez lundi. Quoi? Mais Morgane, on peut pas y jouer dès le week-end de la sortie, on peut pas aller en magasin et puis l'avoir en physique, en vrai et tout. Ouais, ok, je vais annuler ma commande. T'interviens quand tu veux, hein, parce que je suis en train de faire tous les dialogues. Et du coup, bah Morgane a annulé sa commande, a cherché du coup le jeu en physique, et une fois le jeu en physique, qu'on était censé avoir en click and collect, le jeu en click and collect, bah, vous l'aurez lundi. Non mais c'est pas vrai, encore le même cirque. Et puis tout à l'heure, je dis à Morgane, tu veux pas vérifier quand même? Il me dit, ouais, mais non, ça, c'est pas possible, ça marchera pas. Eh bien si, nous avons réussi à l'avoir! C'était donc l'anecdote énorme de l'obtention de ce jeu, donc en physique. Et si jamais vous voulez jouer au jeu aussi, eh bien il y a le lien dans la description. Donc tiens Morgane, parce que moi, je sais pas où on va. Ben, c'est juste, on refait le début du jeu, de la démo. Ben, en fait, on a déjà fait la démo, tu m'avais dit que ça allait enregistrer peut-être notre progression. Mais on dirait que non. Quoi? On dirait qu'il faut refaire. Mais non. Mais si. Tu vois, tu n'accèdes à rien. Mais non. Bah au moins, on sera super fort. Oui, on sera super fort. Parce que du coup, moi, je me suis dit, bah, je passe le début, il se passe rien. Si on retourne à l'écran titre, qu'est-ce qui se passe? Bah, pourquoi retourner dans l'écran titre alors qu'on a lancé le jeu? Il y a peut-être chargé une sauvegarde. Une subtilité? Possiblement. Ah bah tu vois l'écran titre, on l'avait pas vu. Cet écran titre, ouais. Princess Peach Showtime, appuyez sur A. Showtime. Si ça se trouve, c'est la bonne astuce. On va découvrir. Ou alors, de toute manière, on considère que la démo... Je pense qu'elle faisait pas les niveaux complets. Ou ça faisait pas les niveaux dans l'ordre. Ouais, ça faisait pas les niveaux complets. Donc là... Par quoi tu commences? Parce que tu veux? Non, t'as forcément, ça va être le premier, ça va être l'épéiste. Go pour l'épéiste. Il faut tourner suffisamment en fait pour qu'il te déclenche des trucs. Voilà, faut patienter. Donc, faut discuter avec tout le monde. Faut discuter avec pour tous que les gens tu aies connaissance de tout. Voilà. Ouais, faut faire ça, comme si on découvre quoi. Voilà, discuter avec tous. Tous les théâtres rêvent un jour. Princess Peach, j'ai les billets. Donc, c'est reparti. Qui c'est qui a les billets? C'est marrant de ne pas... Le tour, elle marche, elle tient sa robe. Oui. Hein. Bah oui, parce que sinon, elle écraserait sa robe. Voilà votre billet. Donc oui, je trouve ça marrant de considérer que t'as pas fait la mode démo. On dirait que notre pièce va bientôt commencer. Nous devrions bien aller nous asseoir. En fait, tu passes tellement vite que j'ai pas le temps de lire. Mais bon, c'est vrai qu'on a déjà lu sur la démo. Voilà. Je pense qu'on voit que... A priori, le début, c'est vraiment comme la démo. Oui. Ou alors, quand on va faire ce niveau d'épée, si ça se trouve... On va voir si on va avoir plus de choses. Hein. Voir, ouais. On va découvrir. C'est là qu'on juge la qualité d'une démo. Oui. C'est là où on verra s'il y a un petit mélange de niveau ou pas. On sait par exemple que dans Mario vs Donkey Kong... J'adore. Dans le live chat, Chloé qui dit « Dire que j'avais tout refait pour avoir tout dans le mode démo. » Ouais, en vrai, ça sert à rien de maxer les choses dans la démo. Au moins, tu as maxé la démo. En fait, il faut le faire qu'une fois que tu as le vrai jeu, le jeu complet. Ok, bon alors c'est parti. Donc on est avec Stella. Ah oui, j'ai compris. Donc c'est un jeu à un joueur. Donc on se passera le... On se passe la manette. La manette, voilà. Mais en fait, sur les jeux de Mario, je trouve pas ça gênant, en fait, de se passer la manette, parce que c'est joli, c'est mignon, je trouve ça marrant, même moi, de te regarder jouer. Tu vois, je ressens pas de frustration à attendre. C'est vrai, même quand on fait les niveaux de Mario vs Donkey Kong et que je fais Donkey. Quoi?
Qu'est-ce qu'il dit? Dans Mario vs Donkey Kong, j'ai parfois fait les... le niveau final, tout seul. Bah ouais, c'est bien. Bon, bah, du coup, on va utiliser le pouvoir de l'étincelle. Première transformation. Ouais. Et il faut se mettre en ponytail. Ah bah, je suis désolé, j'ai pas pu. J'ai pas pris ma perruque. Je vais m'attacher les cheveux plus haut. Bon bah voilà, ils sont tous contents. Ils se sentent comme neufs. C'est très beau à chaque fois. Revenez, vous êtes tout malheureux. En fait, même s'ils sont malheureux... Non mais vas-y, tu peux avancer là. Oui, mais je voulais voir si j'arrivais à les rendre plus heureux, tu vois. Mais tu le sais déjà, Morgane. Allez. Et voilà, on dirait qu'ils font encore du grabuge. On peut absolument qu'on intervienne, je le savais. Ils n'ont aucune chance face au pouvoir de l'étincelle. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux, toi? Merci. Content, là, je suis content, je vais peut-être nous placer par là. Et je sais sauter. Oui. J'ai récupéré plein de pièces. On voudrait en dessous. Il devrait y avoir un raccourci pour aller au château ici, mais où est passé ce sentier? Derrière les buissons. Il faut éclairer les buissons. Et voilà. Ta-da-da-da. Stella, youpi, on peut continuer maintenant. Ta-da. Ta-da. Du coup, on mais a gagné c'est une gemme d'étincelle. Ces gemmes contiennent une puissante étincelante, donc il faut en avoir 10. C'est parti pour les 10. Du coup, là, tu fais les 10 d'un coup. Oh. Ah, je fais les 10 d'un coup. Oui, t'as raison. Parce que je te laisserai faire le niveau d'après. Comment ça, le niveau d'après? Comment ça? Tu sais, le niveau où il faut faire en rythme. Il faut faire les gâteaux. Ah. Tu sais, à partir de... J'ai perdu un... À partir de la démo, oui. J'ai transformé en short une toute petite séquence qui est le moment où j'essaie de jouer avec le mode épéiste. Et en fait, eh ben, je te laisse faire le boss avec un seul cœur. Ah oui, c'était drôle ce moment. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que clairement, le mode épiste, c'est pas ma spécialité. Deuxième étoile. Ah, non, au passage, on perd une vie. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que je fais n'importe quoi. Alors la question est, où est-ce qu'il faut aller? Je crois qu'il faut continuer. Pour l'instant, le jeu... Ah oui, il faut d'abord que tu fasses au milieu, puis que tu ailles à droite. Il est tout malheureux. Il faut fleurir les arbres. Fleurissons les arbres. C'est super mignon. C'est trop beau. La direction artistique, comme dit Drake, est vraiment très très jolie sur ce jeu. C'est vraiment la bonne surprise. D'avoir un jeu comme ça. Et on espère qu'il reste encore quelques jeux comme ça, inédits. Qui arrive sur Switch avant de passer. Oh, tout de suite, Morgane, t'es en train d'enterrer la Switch. Non, mais. Alors que ma nièce vient tout juste d'avoir sa Switch, c'est vrai. Jadstar, et mon neveu Max, il s'est remis à jouer à la Switch. On était époustouflés. Genre, ça faisait au moins un an qu'il n'avait pas touché à sa console. En plus, la sienne est OLED, contrairement à la mienne. Oui, il en avait fait un unboxing. Oui. Sur la chaîne Switch. Sur ta chaîne, voilà. Donc, ils vont tous très bien. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je sais pas si on est bien placé. Je vais vérifier. Parce qu'en fait, il y a plein de choses partout sur l'écran. Je sais pas où nous mettre. Aide. C'est l'étincelle de l'épéiste, Peach. Je crois qu'ensemble, on pourra l'utiliser. Ah bah voilà, on va avoir un super pouvoir dans peu de temps. Attention, première transformation. Déjà, le fait de relever ses cheveux, je trouvais que c'était une première transfo. Ouais. C'est parti. Moon Knight Crystal Power. Ah non, c'est pas ça. Ta-da-da. La super classe. Morgane, pourquoi tu mitrailles? Pourquoi tu fais plein de captures d'écran?
faut garder un souvenir. Pitch et payiste. On n'a pas besoin. Allez, go. Est-ce que tu vas réussir à arriver jusqu'au boss en ayant plus d'un cœur? Sachant que j'en ai déjà perdu. Ah, mais j'en ai regagné. Oui, c'est ça, en cassant les ronces, tu regagnes des cœurs. C'est les payistes. Ah, bah oui, j'aime pas. Hein. Et tu. Non, c'est impossible. Quelle rapidité. Son maniement de l'épée est patent. Quelle élégance. Ouais. Nous avons besoin de l'épéiste. Ah oui, du coup, tu peux faire apparaître les commandes. Si tu trouves un lieu intéressant, appuie sur ZL ou ZR pour prendre la pause. Pourquoi tu veux... Voilà. Oh ! Tu vois, pour regarder en fait. Et si tu prends des pauses, ça te sort des pièces des fois. Oui, c'est aux endroits intéressants. Ouh ! J'ai l'effet ralenti. C'était un endroit intéressant. C'était un endroit photogénique. Photogénique. Et là, c'est un endroit intéressant. Non. Tu feras pas un peu de plus. Là, c'est un endroit. Observe bien les mouvements de tes ennemis, puis appuie sur B ou A pour esquiver. ...62 pièces. Et un cœur. T'as 5 cœurs. Ouais, bah là, tes points de vie, ils sont à fond. Tu vois, en vrai, tu t'en sors beaucoup mieux que moi. C'est toute ma jeunesse sur les beat'em up de type double dragon, Final Fight. En fait ici c'est Princess Peach Fight. Ah oui, faut casser les bruits. Faut casser. Et il y a les choses qui brillent. Pourquoi? Parce qu'il y a une étoile cachée. Non? J'ai oublié. Faut prendre la pause. Oh oui! Tu passes dans les coulisses. C'est ça. Bah, t'as bonne mémoire, hein. J'avais oublié, moi. Et voilà. Et on repart. Drake dans le live chat qui dit: je trouve que le jeu fait aussi un peu film d'animation. J'aime bien ce genre de jeu. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça rappelle carrément le film. D'ailleurs, il va y en avoir un deuxième film Mario. 2006. Super Mario. Le roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Noble pays, allez, sauve notre roi! Le roi est en danger, dépêchons-nous! Oh oui, on se dépêche. Il y a encore un cœur ici. Là, il n'y a pas de doute, t'as le maximum de cœur pour faire le boss. C'est pas encore le boss. Tu n'iras pas plus loin. Éliminez-la! Allons-y. Ils sont plus difficiles à faire. Il faut ils sont plus résistants. Il faut faire le tour. Un auto maintenant. Le bonhomme marteau. Appuie sur A pour sauter et esquiver les attaques ennemies. Waouh! T'as fait un truc incroyable. Je l'ai déjà battu du coup. Incroyable. T'as vu comme t'es trop fort? Merci, merci. Je l'aime bien. Morgan, il a une maîtrise de pitch et pays, c'est incroyable. Oh là là, je sais pas si je vais faire aussi bien après, hein. Oh là là. Pour battre un ennemi au-dessus de toi, un clean L vers le haut et appuie sur B. Oh, c'est là que j'étais trop nulle. Les pays, c'était là, à l'attaque. Bravo. J'ai cru que pendant ton saut, t'allais pas tomber au sol. Oh là là, mais quelle aisance! Ah, ça me rassure, tu te fais toucher toi aussi! 152 pièces. Quel ralenti! J'aime bien les effets qui font. Oui. Un cœur là-haut. Ah bah ça me rassure!
Ah, ça me rassure. C'est pour Rosalie. Non, vas-y, rassure, t'as beaucoup plus de cœur que quand c'était moi. Allez. Oh là, le roi. On va aller le sauver. Allez, on y va. Ce château est à nous maintenant. Je ne crois pas. Je vais voir, est-ce que c'est pertinent de nous mettre à court. Allez, je vais montrer qui est le chef. Si tu ne passeras pas, bon, je vais nous mettre là-haut. À supposer que ce soit bien. Appuie sur A pour sauter et esquiver. Est-ce que c'est bien en haut à droite? Ah, t'as le maximum de points de vie, vas-y, comment t'es trop à l'aise. On rappelle que les roses, ça peut rapporter des points de vie. Pour esquiver, et tant qu'à faire, tu fais une méga attaque. Ouais. Oh là là, c'était hyper fort, et du coup, voilà. T'as les 10 étoiles. Ah. Chloé qui dit, je trouve que Peach et Peach te sont très haut. Ouais, c'est clair. Elle est trop forte. Oh là là, bravo Morgane. C'est la perfection parfaite. Hop là. Et t'as le ruban. Ruban pour robe obtenue. Peut-être que là, on va pouvoir voir ce que ça donne, tous les rubans et tout, parce que dans la démo... Pour l'instant, on ne savait pas. Oui, on ne voyait pas trop à quoi ça servait. Ça restait fermé. Tiens, je te laisse. J'ai mon travail. Ah, j'ai trop de pression. Mais non. Voilà. Mais effectivement, le boss donnait une impression assez épatante au début. Et en fait, le jeu a une super direction artistique, un super gameplay. C'est en fait assez facile de le battre. Ok, le niveau épéiste accompli. Bravo Rosalys. On a réussi. Ensemble, on peut utiliser le pouvoir de l'étincelle. Cela dit, le théâtre n'est toujours pas revenu à la normale. Ces fils brillants et ce symbole dans le foyer y seraient-ils liés? Je suis sûre que les autres pièces ont aussi besoin de notre intervention. Allons voir si tu veux bien. Et pas là, je sais pas où en particulier je dois aller, parce que si ça se trouve... aller pour voir un si tu endroit peux aller. Ruban. À droite avant ninjutsu le parchemin de l'eau, on voit, je peux y aller et on peut aller voir ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, du coup tu effectivement ça t'a ouvert plein d'autres trucs, il y avait des trucs qui n'étaient pas accessibles. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Tu connais les amulettes cœur, les acteurs qui font leur début ne jurent que par elles. Si tu remportes une, tu obtiendras 3 cœurs supplémentaires. Est-ce que tu veux une amulette cœur? Bah oui. Non. Hein, pourquoi? Bah il faut le faire pour deux fois le jeu. Hein, tu arrives bien. Mais moi, je veux une amulette cœur. Okay. Viens me la rendre dans ce que tu estimeras. Regarde, c'est surtout ça qui était intéressant. Vendeur, le théâtre est vraiment lugubre là. Ah, une cliente. J'ai de merveilleuses robes à te proposer en échange de quelques pièces. Ah bah, c'est fantastique. Tu vois, là, tu peux regarder hein, de quoi t'acheter. Et pour toi, Stella, j'ai de très jolis rubans. Allons-y, c'est le moment shopping. Boutique, bienvenue. Tu es là pour qui? Pour Peach ou pour Stella? Commençons par Peach. Une robe à pois? Oh là, Morgane, tu vas trop vite. Attends. Et puis, attends, faut que je gère tout, là. Robe bicolore. Oh, c'est joli. Hein. Rayure verticale. Oh, je trouve c'est ça rigolo. Fait vendeur de popcorn. C'est rigolo. Rayure horizontale. Robe à pois, ça fait mini. C'est mini. Et robe en dégradé. Oh, c'est hyper beau. J'adore la robe en dégradé. Peux-tu acheter cet article? Oui. Yes. T'as pas voulu regarder d'abord s'il y avait quelque chose pour Stella? Veux-tu mettre cet article tout de suite? Oui. Bah si, je veux regarder pour Stella aussi. T'auras plus tard ça. Bah on sait pas, ça coûte peut-être moins cher, elle est plus petite. Stella, merci beaucoup, ça te va très bien. Comment ça? Ruban rouge, ruban bleu, jaune, orange, noir, bleu clair... vert. Ce n'est absolument pas intéressant. Bon, donc Stella va rester dans son ruban de base. Bah ouais.
Tu veux visiter d'autres points? Oui. Wow. Oh! On peut descendre. Tu peux passer au sous-sol. Dans cette partie-là. Dans la démo, on était bloqué. Hein. Oui. On restait au... C'est le sous-sol du théâtre et il y règne une atmosphère étrange pour l'instant. Oh, il y a des portes qui restent fermées. On dirait les portes de Disney Dreamlight Valley. Complètement. Waouh. Incroyable. Effectivement. Il y a pas mal de portes fermées pour l'instant. Donc en fait, il y a beaucoup plus de mini-jeux potentiels de transformation que ce qu'on croit. En dessous. Il faut aller en dessous. Mais d'abord, il faut finir le premier étage. Oui. Et donc, ouais, du coup, ma question, c'est est-ce que tu es obligé d'aller faire la pâtisserie? Par exemple, qu'est-ce qu'il y a là? Ou est-ce que... Ah bah, il y a encore un étage. Ou est-ce que, du coup, tu peux faire les niveaux que tu connais pas encore parce que tu peux aller faire le western. Actif dans la démo. Oui, donc, en fait, tu peux faire ça. Tu peux faire le western. Le festival des gâteaux. Pas obligé de faire les gâteaux. C'est ça. Je propose qu'on fasse de l'inédit, là. Alors, c'est toi qui choisis, puisque c'est ton niveau. Eh ben, je vais aller faire le ninjutsu. J'étais sûr. Mais je sais pas si je serai douée pour autant. Hein. Oh là là là. Alors là, ça va être découverte. Par rapport à la démo. Le parchemin de l'eau. C'est parti. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Marcher sur l'eau? Chloé dit, il y avait d'autres motifs si tu appuies sur le plus et que tu vas dans garde-robe. Oh non, j'ai pas vu! Il faut absolument que je gagne plein d'argent. C'est parti. Toute bonne histoire de ninja se doit de commencer dans un village. On dirait bien qu'on ne pourra pas aller par là. Oui, c'est bien. Bravo, c'est un cerisier. Ça fait pleurer, le cerisier. C'est le printemps. Quel petit bambou. Notre village a été pris d'assaut. Je crois qu'il existe un chemin secret. Il bloque la route qui va au manoir. Ok, personne ne passera. Allume le cerisier, le deuxième. Voilà. Bravo, Rosalie. Et du coup, ça ouvre le chemin. Ok. Ah, j'aime bien que ce soit un monde japonais à fond. Notre village a besoin de ton pouvoir. Un puits! Tu es passé par là, c'est incroyable! Suis ce chemin et tu arriveras au manoir. T'as vu, ça fait un chemin un peu zen. Aussi, y a pas un truc. Tu veux voir quoi à gauche? Par ici! T'as vu, il y avait un bonhomme, il me disait de le suivre. Il faut se promener. Bah non, moi je veux pas me promener, moi je veux aller. Il va falloir faire mieux, comment ça? Ah, c'est un jeu tu à la Metal Gear Solid. Comment ça? Faut aller plus vite? Faut qu'il ne te voit pas. Reste hors de leur vue. Bah, il me l'a pas dit tout à l'heure. Ouais, oui, mais tu découvres progressivement. Bravo! Du coup, il va te donner une étoile, je pense. Non, il fait quelque chose. Il active. Oh! Mais qui es-tu au juste? Waouh! Trop bien! Tu vas au manoir? Il y aurait un passage dans le coin. Bravo, Rosalys. J'aime bien là du coup. Qu'est-ce que je dois faire? Voir Rosalys découvrir. Oh! Oh! Incroyable. Il y a une étoile à gauche. Tu l'as vu? Non. Là, oh merci! Je l'aurais pas trouvé. Incroyable, tu as réussi à rentrer. On y va, ton part de la légende, ce serait toi. Bravo Rosalys. Oh, c'est trop mignon! Effectivement, Drake, ce niveau va bien avec l'ambiance du printemps actuel. Tu récupères les pièces, hein, quand même. Ah oui. Oui, il faut que je m'achète d'autres motifs. Voilà. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant. Tu peux peut-être nous aider. Est-ce que tu vas aller récupérer la... Récupérer quoi? Une toile qui est là-bas. Où ça, là-bas? Tout au fond. Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est autre chose? C'est le pouvoir de se transformer, là, je pense. Sans doute. Tu vas te transformer, Rosalys? Tu vas te transformer en ninja! Oh! Paf! Te voilà transformé en
Ninja. Peach Ninja. Waouh, quelle démonstration! T'as vu, t'as des pièces là-haut. Oh, t'as vu, je peux aller dans l'eau. Ouais. Fais commande en fait. Appuie sur X. Oh, t'as vu? Ouais. Je peux me cacher. Ouais. Appuie sur X quand tu vois le truc commande arriver. Utilise A pour sauter à la verticale d'une paroi à l'autre. Pas compris là. Oui. Ah. C'est bien, Rosaïs. Bravo. Bravo. Oh. Tadam. Le ninja est là. Je suis une alliée. Ah, une amie, s'il te plaît, aide-nous. Cache-toi dans l'herbe. X, appuie sur X. Cache-toi dans l'herbe pour te rapprocher des ennemis, puis attaque-les avec B. Voilà. Bravo! Oh là là! C'est fourbe comme technique! C'est la technique du ninja. Est-ce que je suis trop prudente ou est-ce que... C'est drôle ce petit moment. Vraiment, je trouve à la Metal Gear. Eh, je suis censé faire comment? Écoutez les pièces. Cache-toi contre le mur. Et je suis censé faire comment? De l'autre côté, tu caches, tu grimpes pas, il faut juste que tu passes. Donc, je m'en fiche de lui? Tu le tues pas. Ouais, t'es obligé de faire comme t'avais fait quand t'as récupéré le pouvoir de te mêler avec le mur. Je comprends pas. Me mêler contre le mur? Ah! Et comment tu t'es caché contre le mur? T'as appuyé sur quoi? Ah, du moment que tu te maintiens. C'est rigolo! Tu vois, j'avais pas compris, je m'étais... Je m'étais mise contre le pilier. Oh, le pauvre, il dormait. Prudence, les ennemis sont nombreux. Moi, je trouve ça mieux quand même quand je peux donner la manette à Morgane. C'est vrai? Oh bah oui, un niveau entier à moi toute seule. C'est pas drôle. Je sais pas ce qui se passe en si nouveau. Je pense que on peut pas quand même. Ah, tu crois? C'est beau, hein, les décors, ils sont super beaux. Ah la vache. Hein. Bah, ils bougent pas en fait. Là, je fais gauche-droite, gauche-droite. Tu montes en sautant sur le mur. Oui, je regarde partout. Et un trou sur la toiture, c'est pas normal. Ah, c'est trop beau. C'est attention, vous allez rater une étoile, que dit Chloé. Où ça? Où ça? Sois plus précise. Où est-ce qu'on aurait raté une étoile? Je vais descendre. Où ça? Je sais pas, je vois pas. Hein. Il y a des pièces dans l'eau, mais c'est après. Bon, je crois que tu peux continuer. Je ne vois pas où il pourrait y avoir une étoile. Non, mais... Non, tu crois pas, ici? Non, je pense qu'il n'y a rien. Parce que lui, j'ai... L'ennemi que Morgane ne voulait pas tuer. Comment ça? Oh oh! Comme ça.
effectivement, il y a un truc là-haut. Merci. Oh là là. Oh là là, sinon clairement, ouais. Oh là là. On allait manquer l'étoile. Ah, c'était fourbe. C'était fourbe. Je vais te repasser la main. Oh ouais, c'est trop fort. Que tu te débrouillais tellement bien. Je suis pleine de doutes. Oh ! En fait, je reviens un peu en arrière quand je me fais voir. Bravo. Oh, ah oui, bon. Oh, c'est génial tout ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Et si je suis dans l'eau, il me voit quand même? Tu crois? Non. Vas-y, tu peux le tuer, je pense. Et là, je pense que tu peux faire une étoile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais reste pas ta garde! Ce qu'ils veulent, ce sont les parchemins. Oui, il y en a un peu beaucoup. Ces parchemins sont à moi, na. Ne laisse pas s'échapper. Je peux juste. Mm. En fait, je me demande si là. J'adore, c'est. Ne le laisse pas s'échapper, mais Morgane, il revient en arrière, il prend son temps. Ah non, il n'y a pas de moment de. Tu peux trouver le truc comme ça. Ici, je pense aussi. Non, non, pas. Il est là, il est là. Ok. Et là non plus. Ouais, moi j'aime bien prendre mon temps. Bah ouais, mais. Regarde, regarde. Voilà. Oui, mais il y avait les petites étoiles là. C'était évident que il fallait se mettre là. Une étoile de plus. Non, je pense qu'il faut que tu continues vers le haut. Moi, je serais mon. Du coup, bah, je sais pas où aller. Hein. Je vais partir. Je vois pas où tu veux aller. Hein. Oui. Ah là, j'ai pas vu. Allez, cours lui après. Ah bah, il a pris tout son temps. Hein. Eh, ça court tout seul là. C'est un Mario Run. Trop bien. Oh, oh non! C'est trop réaliste. C'est quoi ces diamants? Oh, t'as vu? J'ai changé de plan. Il faut ramasser toutes les parties d'une étoile. Bravo. Bravo. Oh, bravo. C'est incroyable. J'adore voir Rosalie jouer comme ça. Oh non! Il y avait des trucs à gauche, il y avait des pièces, j'ai vu. Bah, sans doute. Bravo! Je te dois la vie. Ah, c'est bon, j'ai pas loupé d'étoile. J'adore. Alors, c'est stress, ça va? C'est tranquille? Je suis pas tranquille, hein. T'as vu, je fais du patin. Ouais. Vas-y, récupère le parchemin. Prends le parchemin. Oh là là! Oh là là! Incroyable! Waouh! Oh là là! C'est magnifique! Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'on se sent puissant! Tu récupères pas les pièces. Ben si, mais je savais pas que je montais trop haut. Ouais. Bravo! Oh là 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 là! Effectivement, c'est un jeu qui te fait sentir puissant, comme tu dis. Et ça, c'est trop bien! Des étoiles. Oh là là, oh, c'est trop drôle! Waouh! T'as vu, elle est jaune et verte, elle est aux couleurs de Nantes. T'es trop drôle. C'est un supporter. Ruban pour robe obtenue. Bravo, bravo. Fantastique. Ouais, elle doit être supporter du FC Nantes. Football Club de Nantes. C'était pour la blague. Ah,
c'était trop bien. T'as bien géré. Le niveau ninja, mais niveau trop ninja bien. Approuvé. Génial. Mais en vrai, le niveau épéiste aussi, c'est juste que comme on l'avait vu dans la démo, on avait moins la surprise. Et un deuxième niveau accompli. Tu veux voir les nouveautés qui ont été peut-être débloquées après ce deuxième monde ? Veux-tu rendre ton amulette ? Non, non, non. C'était franchement trop bien. Ah, c'est drôle. Mais oui, parce qu'on n'est jamais allé voir les bonus. Garde-robe. Oh. Donc, on voit les... Ah oui, même sans acheter, en fait, on a... Et ça, c'est ce trucs... que tu récupères. Oh. Tu récupères celui... T'as récupéré... des roses. La robe épéiste et la robe ninja. Elle est trop belle, la robe ninja. C'est du cerisier. Oui. Je veux. Voilà. Trop, trop bien. Killing, merci Drake Full Moon pour ton super sticker. Tu collection. Collection. Costume. Donc t'as Peach Epice, Peach Ninja. Voilà. Musique. Musique et puis les films. Les films de... Pardon, transformation. Ah, trop bien. Les pièces. On voit les pièces qu'on a récupérées. Du coup, au rez-de-chaussée, il y a 4 niveaux. Des pièces de théâtre. Et à l'étage, moins 1. Et des points d'interrogation. Plus 4. Plus... Il y en a 10. Les options. Et après, il y a encore un menu point d'interrogation. Ouais. Et tu crois qu'il a changé de vêtement ? Enfin, qu'il a... Peut-être. Non. Non, je crois pas. Ok. Ou c'est peut-être une fois par jour. Je sais pas. Ou quand on aura bien développé, bien joué. Ouais. Alors, est-ce que tu vas essayer un niveau inconnu ? On va essayer un niveau inconnu. C'est-à-dire western. On va essayer le western. Let's go. C'est parti. Oh là là là, oh là, là, là. Je me demande ce... Moi, je fais le début et puis je te laisse western faire la fin. Western en contrée sauvage. Attention hein, pour le western. Chloé qui dit franchement ce jeu est génial. Shinki, bravo, merci. Et Gwendoline, j'ai hurlé lol. Pendant que c'était moi qui jouais. Oui. Attention, c'est parti. Oh, elle est trop belle cette robe. Trop trop belle. Oh. 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 Prenez tout ce qui a de la valeur, pillez. C'est trop mignon. Ces bandits sèment le chaos. La ville est en danger, il faut qu'on les arrête. Le vieux western, le saloon de la ville. Ah bah ouais. Je me sens courageux tout à coup. Oh. On découvre. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé, il faut que je... Ah les pauvres. Les pauvres. Mais c'est quoi ça? Oh. Allez, on va aller voir à côté. On va tous les libérer. Ah, un cactus fleuri qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Non, ah non. Y a personne qui est caché ici. C'est étrange. Non, personne, vraiment personne. Vraiment personne. Bon, ok. Ouais, c'est stylé le monde des cow-boys, comme dit Drake. On va régler son compte à cette porte. Oui. Allez, on leur donne du courage. Yo ! On va rentrer dans le monde des cow-boys. Voilà, maintenant, on peut les poursuivre. Mais où sont-ils ? Oh ! Bandits viennent d'entrer dans le salon. Inquiète pour les gens dans le salon. Arrêtez ! Au secours, allez-y ! Ok. Eh hey, mais qui va là? Je veux attraper cette... Voilà. Allez, ils reviennent à la vie. Je les avais pas assez mis KO. Non, ils reviennent quoi qu'il arrive. Ah bah il manque. Oh. Oh là là. Allez, tirez vos... Est-ce que ça va marcher là si je les fais tirer là? Okay.
Impossible de rentrer par ici. Hey, il suffit de... C'est comment alors ce western? Ah bah, on peut rentrer par là, il faut grimper. Il suffit de grimper, mais oui, je veux grimper. T'es coincé? Je veux grimper. Par où? Sur les chevaux? Non. Je cherche à savoir comment grimper. Comme ils sont méchants. Oh, tu les as transformés? Momentanément. Ils s'endorment? Et ils se réveillent très vite. Je vais prendre ce... Tonneau. Tonneau. Moi, je pensais que tu pouvais prendre un cheval. On peut rentrer par là, il suffit de grimper. Qu'est-ce qu'on peut grimper? Il faut sauter sur la roulotte. Ah. La roulotte, elle est où la roulotte? Oui, y a-t-il... Ah, c'est ici. Il y a peut-être un moyen de grimper. Oh, ah, ça rebondit. Impressionnant, petite. Oh. Ah oui, ouais, dis donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Là, ça va pas du tout dans ce salon. C'est trop drôle. Qu'est-ce que vous pêchez là? Tu l'as balancé. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Cette cave est reliée au salon. Il n'y a pas personne, il fait tout noir, je ne vois rien. Mince, il faut passer par où déjà? Il faut tous les allumer. L'autre à gauche. Super. Ah, par là. Donc on récupère. Une étoile. On a loupé la première. Ils sont partis par la gauche. Je suis dégoûté. Et t'as quand même droit au ruban. Ouais. Par contre, on a loupé la première étoile. Bah non, j'étais pas là. Littéralement. Non, c'est bien trop lourd. On peut retourner récupérer la première étoile. Bah je sais pas, faut déjà savoir où c'était. Ah non, on peut pas. Allez, continue. On continue. C'est bien trop lourd. Ah, Chloé, t'avais prévenu dans le live chat. Attention, étoile, mince, faudra refaire le monde. Oh non. Faut mettre tous les cactus en fleurs. Allez. Pouvoir magique. C'est parti. Transformation. Ah oui, l'étoile était dans la deuxième maison, celle où je me demandais s'il y avait quelque chose que je n'ai pas vu. Wow. Shérif. Peach Western. Une bouteille de jus de tomate. Sauve notre vie, s'il te plaît. Je suis sûre que tu en es capable. On va essayer. Wow. Tu te prends pour qui, une cowgirl? Oh, tu vas me distraire, c'est bien. Wow. Utilise B pour attraper un tonneau et le jeter. Ah ouais. Il y a quelqu'un dedans. C'est un peu brutal pour sauver quelqu'un. C'est drôle. C'est un peu brutal la manière de les sauver, effectivement. Feu d'artifice. Ouais. Pff, t'es plutôt forte en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, t'as bien mérité de le faire. Oh. Maintenant, je compte sur toi. Pas question que tu rattrapes le patron. Ouais. Bravo, bah dis donc, t'es au max des cœurs. On va pas les laisser s'échapper comme ça. Faut qu'on suive le patron. Ils se sont enfuis de justesse. Je vais monter à cheval, moi aussi. J'ai l'impression. Oh, il est tenu par des fils. Waouh, ce cheval a l'air de t'apprécier. À toi, Joe, et maintenant. Vas-y. Trop drôle. Oui. Oula. Faut que j'évite les chariots. Oh non, fallait que je saute. J'ai loupé mon gars. C'est pas grave, c'est pas grave.
Il y a une étoile, il y avait clairement une étoile. Oui. Oh non, secours. C'est une catastrophe. Mais non, c'est rigolo. Tu fais du mieux que tu peux. Ils ont encore plein de trucs. Alors. L'étoile verte, l'étoile verte. Oh là là. Oula. Oh non. L'étoile verte, elle est de l'autre côté. Aïe, ah aïe, non, aïe. Je l'ai doublé. Ah là 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 là. Ah, oh, c'est une catastrophe. Allez, Rosalys. Allez, on croit en toi. Allez, attrape-le. Ah. Oui. Bravo. Oh non. Bon, de toute façon, de base, il manquait des étoiles. Il était raté, ouais. C'est ça qu'on voit la différence entre le premier monde qu'on refaisait après la démo et là, un monde qu'on découvre. J'aurais jamais cru que t'arriverais si loin. Bon, très bien. On va régler ça une fois pour toutes. Oula, plus de 3 cœurs. Oula, Rosalys. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que sinon je l'empêchais de tirer et ça faisait rien. Ouais. Ah si. Ah bon. Mmh. Une première fois. Il revient. Il revient plus fort. Alors ça je m'y attendais pas. Plus que 2 étoiles. Morgane, quand il me reste qu'une seule étoile, je te le donne. Bah non, hein. Bah non, 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 il faut que tu y ailles jusqu'au bout. Mince, j'ai. Oh, j'ai loupé. Ah si, j'ai réussi à le prendre et j'ai balancé n'importe où. Ouais, presque. Ah, Morgane, je te donne la manette. Je te dis que je peux pas ressortir quand je trop dans les yeux. Je t'avais dit, fais prendre la manette. Ah bah voilà, vous aurez vu ce qui se passe quand on perd. Non. Hein, du coup, on a perdu 10 pièces. Oh non. Ici. Ah, c'était magique. Oh. Ah, c'était magique. Je t'avais dit de prendre la manette. Bravo, trop fort. Après, il fait le taureau. Bravo. Oh là là, mais quelle aisance, Morgane! Tu vas casser tous les murs. Il en veut 3 boules maintenant. Et voilà. C'est trop fort. Il revient encore ou pas? C'est des pierres précieuses bleu, blanc, rouge. Bravo! Ouais! Et bah voilà! On l'a fait ce niveau! Ah, trop fort! La classe! Ça fait quoi si on n'a pas toutes les étoiles? Bah, c'est juste que t'as pas tout à 100%, comme d'habitude. Ruban pour Rob Western. Ruban Rob Western. Bah, je sais pas si c'est un ruban que j'utiliserais. C'était drôle. J'ai bien aimé te voir faire le boss de fin. Non, c'était horrible. C'était très sympa. Oh, très non. Sympa. Je pense que ce sera le highlight de cette vidéo. Non. Du coup, on a encore débloqué les portes. On peut pas rester comme ça. Quoi? Non. Juste non. Comme ça. Juste comme ça. Juste pour finir tranquillement. Ah. Il faut savoir ce qu'il y avait dans cette deuxième maison que j'ai ratée. Sinon tu ne vas pas endormir. Oui. Et surtout, j'y étais. J'ai passé du temps dans la maison. Ah bon? Ouais.
Chloé qui nous dit dans la chat, si tu finis les niveaux avec toutes les étoiles, tu obtiens une image dans ton album. Oh, ça rappelle les images. Faut être gentil, faut avoir des images. J'imagine qu'il faut collectionner les images. Est-ce que vous aussi... Ça vaut donc le coup de refaire le monde. Ouais, en primaire, si vous aviez des bonnes notes, vous aviez des bons points et ensuite vous aviez des images. Toi, c'est moi aussi, il y avait ça. Ouais, moi aussi. Et voilà, et après, tu avais des belles images. Mais j'avais ça qu'au CE, hein. Ah oui. Ou au CP. Donc là, il y en avait un qui était tout malheureux. J'ai sauvé. Voilà. Et on va tout récupérer. Donc là, c'était bon. Ça, c'est la première maison. Voilà, là, il y en a deuxième à sauver. Donc là, c'est la deuxième maison. Alors, où exactement dans la deuxième maison? Un cactus. Tu vois, tu te dis... Il y a un pot. Là, je vois. Et le cactus, il est bizarre. Ah. Il y a une bouteille de jus de tomate. Ah, c'était ça. Oh, les cactus. Tu vois, et il y avait l'autre pot que j'avais vu là-bas. Vers là. J'ai vu un pot. Ah oui. Voilà, bah on a... Est-ce qu'on a trois cactus fleuris. On a fait tous les cactus. Est-ce que dans la première maison, j'avais oublié un cactus? Non, c'est ici que j'avais oublié un cactus. Regarde, j'avais oublié un cactus. C'est tous les cactus qu'il faut faire. Ah là 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 là. Oh ah. Du coup, le premier, c'est bon. On voit quelles sont les autres étoiles qui nous manquent. Ouais. Je ne vois pas nécessairement où. Ouais. On manque de force, mais là, vous avez fait manquer de force. Yeah. De toute façon, au début, on les a toutes. On peut y aller. Ah! Après, on se sert des étoiles pour certains niveaux pour les ouvrir. D'accord. Je te récupère plein de pièces pour que tu sois très satisfaite de mes futures tenues. De tes futures tenues. Merci. Au secours, à l'aide. Là, il y a une étoile que tu as déjà pris. Bah, de manière évidente, il y a l'étoile que j'ai loupée quand il y avait la course-poursuite. Mais sinon, en fait, il y a des étoiles, je sais pas où elles manquent. Je récupère le max de pièces pour toi. Tant qu'à faire. Voilà, là, on voit qu'il y a une étoile, c'est je pense, la deuxième. Ah, ça arrive à la reprendre. Non, mais ça permet de savoir où on en est. Ah oui. C'était la deuxième. Oh, on l'avait pas vu, lui, la première fois. Ah mince, je suis tombé. Ça rend le cheval joyeux quand tu rebondis, je trouve. Donc là, on voit. Oh là là, ils sont dans des pauvres tonneaux, les pauvres petits. Les pauvres. Voilà, ils vont venir avec nous. Voilà. On va remettre la lumière. C'est parti. Ah, je te laisse faire la course poursuite. Hein. On va pas refaire deux fois la même bêtise. Ah, mais je peux la faire. Quoi ? Je pense que t'as plus de chances de bien la faire que moi. Parce pourquoi ? Que tu as le pattern dans la tête. Pas du tout. Ah, tellement pas. Non, c'est vrai. Sauve notre ville, s'il te plaît. On va essayer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est... Non, ça te permet de voir. Parce qu'on voyait les étoiles. Oui, on est à... Voilà. Tu vois, le cinquième, je sais pas où il est. Ça, c'est tout pendant la course poursuite. Ah.
poser. Et là, on va récupérer une étoile. C'est la quatrième. Ouais, tu vois, là, la cinquième, je sais pas où elle est. Là, il va nous voir son étoile. On va pas les laisser s'échapper comme ça. Faut qu'on suive le patron. On se sent fou, tristesse. Allez, bon courage, Morgane. Sur son cheval blanc. On va y aller. Ouais, on peut pas revenir en arrière. Y a pas de raison. On dirait qu'il veut t'aider. À toi de jouer maintenant. C'est là où j'ai la pression. T'as pas de pression, tu pourras pas faire pire que moi. Ah oui, en fait, le premier, j'ai loupé parce que j'avais pas pris tous les morceaux d'étoiles. Ouais, bravo! Je crois, hein. C'est pas grave, c'était que des pièces. Non, non! J'ai une étoile. J'ai pas vu. Tu vas nous lâcher, oui? Non, je ne te lâcherai pas. Là, faut pas lâcher celui qui parle. Enfin... Faut pas s'occuper de ceux qui parlent surtout, mais c'est... Ouais, il y a pas... Oh ! Oh ! Morgane ! Oh, ça, c'est inattendu ! Ah, moi, je suis pas tombée dans le trou, quoi. Ah bah tiens, tu peux à nouveau avoir une chance d'attraper celui qui a l'étoile. Mais parce que je pensais qu'on pouvait... Là, ouais, bravo! Yes! Oh, bah c'est bon, tu vois! T'as réussi à voir toutes les étoiles! Non, non, il en manque une! Non, il en manque pas! Bah, je veux dire, là, au niveau où tu es, t'as réussi à les avoir toutes! Mais c'est pas vrai, alors qu'il en manquait deux! T'as réussi à en avoir deux qui nous manquaient! Tu vois? Il en manque une là, avant! Non, une après! Une après! Mais là, t'as réussi, au point où t'en es, t'as réussi à voir tout ce qu'il fallait! Donc le futur, je sais pas où il est, le futur qui... Faut avancer. Faut pas avancer. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Morgane? Mais parce qu'elle peut être par là, en fait, je me dis. Voilà, elle regarde. Quoi? Ah ouais. Comment tu fais la pause? En appuyant sur ZR. Tu vois? Ah. Tu dis, il faut avancer. Ah mais je sais pas, moi. Il fallait pas avancer. Oh... C'est marrant comment il bouge. Bravo! Ouais! 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 Ah, c'est bon, là, la totale! Ah, oh, je suis satisfait! Je suis satisfait! Satisfaction! Yes! Maintenant, on va aller faire le boss de fin, mais c'est sans pression! Tu peux le refaire, tiens, non, si tu veux. Non, non, non! Mais si, non, tu non, t'as non, pas non, réussi non, à le non. faire, toi! Allez! C'est sans pression! Non, tu veux pas? Au début, ça commence juste avec une bombe. Ouais, après, il fait le taureau et après, il balancera deux bombes. Enfin, deux. Ah. Ouais, tiens, ouais. Trop fort. C'est rigolo. C'est un peu plus chaud. Bravo, voilà, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Morgane, oh là là. Et là, il est KO. Oh, oh bravo. Ah oui. Là, t'as la totale. La totale, hein. Et on a bien gagné des pièces et tout, c'est vraiment ultra fun. Alors qu'est-ce que tu penses du jeu complet? Il est génial, hein. Il est vraiment drôle, il est amusant, les personnages sont mignons, les scènes, il est assez facile d'accès, donc je pense que c'est vraiment un jeu ultra familial, des enfants aux adultes, il y a matière à s'amuser.
Et Rosalys aussi. Rosalys pourrait faire les boss là, dans ce jeu-là. C'est quand même plus tranquille que c'est Morgane qui joue. Ouais, en vrai, c'est vraiment encore mieux quand t'as le jeu complet. Ah bah oui. Parce qu'en fait, la démo donnait une impression un peu décousue, comme si c'était que des mini-jeux. Mmh. Mais là, en fait, t'as vraiment du challenge tout le temps. Mmh. Et puis, ouais, je sais pas, tu te dis, t'as envie de découvrir ce qu'il y a en bas, en haut, changer de tenue, avoir des petits bonus peut-être. Qui se débloquent progressivement. Ouais, regarde, ce symbole n'était pas là avant. Enfin voilà, quoi, ça a l'air trop bien. Et il y a encore devant aussi qui est mystérieux. Franchement, super cool. Merci beaucoup d'avoir surmonté mon démarré. Tout fait pour essayer de te l'avoir pour ce week-end. Oui. Moi, je pense qu'on va y rejouer, mais dès demain. Quoi. Ouais. Kinaline, merci à Drake Full Moon aussi pour cette os de félicitations. Merci. Trop sympa. Donc, jeu hautement recommandé. Hein, vraiment, je pense que c'est un excellent jeu pour le printemps. On a vu combien Rosalys était ninja, incroyable. Maintenant, elle a une robe cerisier. Voilà. Ah, c'est trop bien. Moi, je suis sûre, on y rejoue à fond. On y rejoue à fond. Pour moi, si on y joue tous les soirs, ça me va. Sacré Robin. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Robin. À demain.